Bonjour et bienvenue sur Monnaie Collector. On se retrouve aujourd'hui pour le résultat du concours qui avait été fait pour les 4000 abonnés. Dans un premier temps, je vous dis merci d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. C'est vraiment encourageant. Alors, les pièces sont ici, hein, comme vous voyez, sont prêtes à être envoyées. L'enveloppe est prête aussi. Je vous remontre les pièces. Il y avait donc une pièce de 5 francs, une pièce de 10 francs Turin, une 2 euros portugaise 2021, une 1 franc Morlon en aluminium, une pièce de 1 centime. Alors, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un concours pour les 5000, parce qu'entre le moment où on a fait le concours pour les 4000 et les résultats, il y a quand même 300 abonnés qui sont arrivés en plus. Donc on s'approche des 5000 abonnés. Si vous voulez un concours, on se fait un petit concours entre nous, tranquille. Alors celle-ci, bien sûr, c'est une pièce française de 2 euros. Alors, pour faire ce tirage au sort, on va faire comme on a fait la dernière fois. On va prendre le site Plouf Plouf, qui est un site de tirage au sort. Et je vais devoir rentrer les noms un par un. On se retrouve sur mon ordinateur, je vais vous montrer ça. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. Je vais devoir descendre en dessous de la vidéo. Donc il y a 107 commentaires. Quasiment tout le monde s'est inscrit. Alors pour s'inscrire, c'était simple. Il fallait juste écrire je participe. Voilà, comme ça, comme c'est écrit là, je participe. Donc on va prendre par le début, hein, je pense. On va descendre tout en bas. Oh, ça va être vraiment très long. Déjà, je vous remercie d'avoir participé aussi nombreux. Je ne m'attendais pas, faut dire la vérité, à avoir autant de monde. Donc, grâce à ça, je vais passer, je pense, mon après-midi à rentrer un par un. Je vais vous montrer comment faire, si l'ordinateur veut bien. Donc, le site Plouf Plouf, c'est ça. Il faut rentrer les noms un par un. Et après, on aura juste à cliquer sur ce bouton tirer au sort. Pour les rentrer, vu que l'ordinateur mouline, on va commencer par le premier en descendant. Alors, bonne chance, bonne chance. J'aime bien cette chaîne. Bientôt, nous serons 5000. Ah, merci, Ivan Merlin, c'est très gentil. Ah, voilà, bon, le premier qui participe, il est là, Tom. Bien joué. Donc, il faut que je fasse ça, un petit copier. Copier. J'aille dans la liste là, je colle. Tom Tom, on va peut-être en enlever un. Et j'ajoute. Voilà, donc voilà la procédure. Bon, lui aussi, regardez, Filou. Filou participe. Il a écrit là, je participe. Donc Filou, on va prendre son nom. C'est dommage qu'il n'y ait pas une façon plus rapide. Pied. Coller. Peut-être je vais laisser les deux, c'est pas très grave. Alors ajouter, bien entendu. Voilà. Donc voilà la procédure. Il va me falloir un sacré bout de temps pour mettre tout le monde dedans. Voilà, Malek aussi participe. Et je vous dis encore une fois merci pour tous ces commentaires encourageants. C'est vraiment très appréciable et très encourageant. Donc voilà mon boulot de cet après-midi. On va lire encore celui-ci. Tiens, Jean-Joseph, bravo pour tes 4000 abonnés, c'est énorme. En effet, Jean-Joseph, c'est vraiment énorme. Je suis vraiment troublé par le fait d'avoir plus de 4000 abonnés maintenant. C'est quand même énorme. Je dis la même chose. Donc, j'en étais à Malek. Je vais écrire Malek aussi. Donc,
Je vous reprends quand tout est rentré dans l'organisme de tirage au sort. Et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis, j'en ai au moins pour une bonne heure à tout écrire, quoi. Donc bon, à tout à l'heure. Voilà. Je n'ai oublié personne. Ça m'a pris une bonne heure, hein, à rentrer tout le monde. Hein. Regardez, je vais vous montrer la liste. Voilà la liste. Alors regardez si vous êtes dedans. Voilà, ça en fait quand même. C'est impressionnant. Je suis vraiment impressionné par le nombre de personnes qui ont participé. Et la rapidité aussi, on est arrivé de 3 à 4 000, ça a été quand même impressionnant. Là, il suffit que j'appuie sur ce bouton pour désigner le gagnant. Alors avant tout, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. Et on va pas tarder à appuyer sur ce bouton. Alors, on appuie sur le bouton tirage au sort sans plus attendre. Hop. Samouline, qui va gagner. Le roi d'or numismatique. Bah tiens, ça me fait vraiment plaisir. Bravo à toi. Depuis le temps que tu essaies d'avoir une pièce de monnaie française. Bon, entre nous, si tu aurais perdu, je t'en aurais envoyé quand même. Hein. Donc, bravo à toi. Regardez, hein, le roi d'or numismatique a été tiré au sort. Ça, c'est pour partager. Donc, ça, on s'en fout un peu. Donc, bravo. Franchement, je suis super content. Pour les autres, rien n'est perdu. On va se faire un autre concours pour les 5 000. Maintenant, j'ai décidé, on en fera un pour les 5 000. Voilà. Les pièces ne sont pas encore choisies, donc on va le faire. Il y aura des monnaies françaises, je pense. Peut-être des pièces de euros. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez comme monnaie. Si vous préférez des pièces françaises ou des euros, on verra, ou des pièces euros. Donc bravo! Bravo à toi. Franchement, je suis super content. Et pour les autres, je vous dis encore une fois. C'est un concours, malheureusement, il n'y a qu'un seul gagnant. Ça sera pour une prochaine fois. Après, on fera peut-être un concours avec plusieurs gagnants parce que je vous dis encore une fois, je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde. Donc, si j'aurais su qu'il y avait autant de monde, peut-être que j'aurais fait deux lots, voire trois lots plutôt qu'un gros lot, quoi. Ouais. On verra ça pour les 5 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum la chaîne. Et quand on sera 5 000, je lance un nouveau concours. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.